Des dizaines de milliers d'indépendantistes catalans ont accompagné l'ancien président de leur région à l'ouverture de son procès. Artur Mas comparé devant la cour d'appel de Barcelone pour avoir organisé en novembre 2014 une consultation sur l'indépendance de la Catalogne. Sont jugés à ses côtés l'ex-vice-présidente et l'ancienne conseillère pour l'éducation. La consultation avait été maintenue malgré son interdiction par la cour constitutionnelle. L'initiative politique a été la mienne, à l'époque, en tant que président de la Generalitat de Catalogne, a insisté Artur Mas. Cela a aussi été une initiative de mon gouvernement. Mais je veux dire clairement, dès le départ, que les directives sont venues de la présidence de la Generalitat et donc de moi-même. Il encourt 10 ans d'inéligibilité et de mise au ban des fonctions publiques. Lors de cette consultation, 80% des participants s'étaient prononcés pour l'indépendance. Le successeur d'Artur Mas a promis un référendum en bonne et due forme, avec ou sans l'accord de Madrid.